Bonjour à tous et à toutes. Une nouvelle vidéo routière. Passage à niveau sur votre trajet. Oula, j'ai oublié de couper le son. Aïe. Passage à niveau. Bah oui. Ça c'est Waze. Il est en tâche de fond. Ça je tourne sur Google là aussi. Android Auto. Direction Saint-Dizier. Alors, si les fleurs n'étaient pas arrosées, ça serait cramé. La nature est en train de mourir et c'est pas une blague. Les arbres, regardez, c'est pas l'automne, hein. On est que mi-septembre. Regardez le travail. Voilà. Le CO2, on peut le remercier, le CO2, comme du fromage en cloche, comme on dit, hein. C'est la même chose. Les pommiers ont perdu leurs feuilles. Il ne reste plus que les pommes. Mais il faut être à la campagne pour se rendre compte, parce qu'en ville, c'est différent encore. Il n'y a pas toutes les espèces d'arbres, hein. Ça va être plutôt décoratif. Il n'y en a pas beaucoup. Mais il faut voir un peu ce qui se passe. D'ailleurs, de toute façon, je vais filmer le parcours et vous allez pouvoir vous en rendre compte. Regardez le sol dans le temps qu'il est. Mais tout est comme ça. Et pourtant, ici, c'est une région humide. C'est la Champagne humide. Elle n'est plus humide du tout. Bon, alors, là où c'est que je vais, à Saint-Dizier, vous connaissez un petit peu maintenant mes parcours. Il y a quelques bornes de recharge, vraiment la misère, et pas de station, pas de borne tristandard, bien entendu. C'est Renault avec une borne type 2, mais en prise type, une borne type 3, pardon. Donc prise type 3. Si vous n'avez pas de câble type 3, bah, c'est pas la peine, passez votre chemin. Et là, je passe un Saint-Dizier, parce qu'en plus, il y a une autre borne mais qui est payante à un prix défiant l'envie de s'y recharger. Et j'irai donc à une borne qui se trouve à une commune juste attachée à côté. Et là, c'est gratuit et ça charge bien. On est samedi. Je me demande s'il va y avoir la fête de la choucroute. Je vois pas de panneau d'ordinaire, il y a un panneau fête de la choucroute. Ils sont capables d'avoir supprimé la fête de la choucroute à cause du virus. Oh. Oh là. Oh bah non, pas ça, ouais. Il va falloir que j'achète encore en boîte la choucroute, c'est pas vrai ça. La recharge n'a pas été à 100%. Je l'ai rechargé de telle façon que ce soit en dessous de 90%, calcul de tête, des programmations sur le smartphone envoyées directement à la voiture. Et ça marche, ça fonctionne, hein, ce système-là. Très pratique, éviter de recharger la batterie à 100%. Et ça va très bien au niveau autonomie. Il y a porte ouverte chez Renault, bah, à la date de cette vidéo, c'est porte ouverte. Pour montrer, démonstration des hybrides chez Renault, la Clio hybride, qui n'a pas l'air mal du tout, le Captur hybride rechargeable, la Mégane hybride rechargeable. La Clio est donnée par le constructeur, d'après des essais de journalistes, Caradisiaque, pour ne pas les nommer, ça serait autour de 4 litres au 100, et même moins, entre de bonnes mains, hein. Une conduite hybride, comme on sait faire, quand on sait conduire économique, on peut tomber à moins de 4 litres. Ah ben là c'est intéressant, parce que c'est moins que la Prius 2, parce que la Prius 2, bon, je faisais une moyenne de 4 litres et demi à la belle saison, et de 5 litres et demi à 6 litres à la mauvaise saison, à cause du chauffage. Et que le moteur tourne plus souvent pour se réchauffer. Qu'avec la Clio, bon, bah, ils ont fait fort chez Renault. Vous avez la concurrence, hein, vous avez Toyota, puis d'autres hybrides, dans la même catégorie de voiture. Hein. Ouais, je dirais que la Clio, elle est plus polyvalente. C'est à peu près la gamme de la Zoé. Hein. 140 chevaux, quand même.
une boîte sans entretien, il n'y a pas d'embrayage, déjà vous n'êtes pas embêté avec ça. C'est encore le genre de voiture qui fait du 90-95 grammes de CO2 au 100 km. Bon, c'est beaucoup moins qu'en thermique classique, en diesel ou en essence, surtout en essence. Faut pas chercher la rentabilité parce que l'écart de prix par rapport à la Clio classique, bah, y a quand même une marge, hein, y a quand même... Avant de rentabiliser un hybride, il en faut les kilomètres. Hein. C'est comme on disait à l'époque, avant de rentabiliser un diesel, il en faut les kilomètres. Bah, c'est pareil maintenant. Ça se fait avec l'hybride. L'hybride est comparé au thermique classique. Mais vous consommez moins, ça dure plus longtemps. C'est des voitures faites pour durer longtemps, en théorie. Chez Toyota, oui. Maintenant, il faut voir ce qu'il en est chez Renault, mais il ne devrait pas y avoir de problème. Hein. La technologie, c'est une technologie éprouvée sur la formule de course. J'en avais déjà parlé de ça, Formule E. Hein, je vais revenir sur 80 km/h. Ça ne vous dérange pas? Vous savez que je suis assez critique quand même. Et il se révèle que le 80 km/h qui n'est pas respecté, bien entendu, ou rarement, est quand même positif dans le sens que ça fait baisser la pollution. Parce que les moteurs thermiques, plus ça tourne, plus ça pollue, plus ça consomme. Tout est lié à ça, la vitesse. Et en fin de compte, c'était avéré que quand c'était à 80 km/h, le taux de pollution avait baissé énormément. Ouais, bah fatalement. Et là, maintenant, puisque là, actuellement, je me fie à la taille des maïs, hein, des tournesols, pardon. Donc là, c'est 80, ça va passer à 90. Automatiquement, si j'étais en thermique, je consommerais plus, je polluerais plus, mais je ne suis pas en thermique. Donc j'ai dit, allez-y, lâchez les 90 km/h. Ah, je vais même dire une bêtise, que pour les électriques. Oui, tous ceux qui ont une voiture électrique, 90 km/h partout, même oh, pas en ville, non, non, non. Ah, ouais, 90 km/h. Voilà, autoroute gratuite. Donc, je rêve, bien entendu, mais j'ai le droit. Hein. Et je partage de rêve avec tout le monde. 90 km/h. Le paquet de chips, gratuit offert. Vous avez soif, c'est gratuit, c'est offert. Vous roulez en voiture électrique, c'est parfait. Il y a une question qui m'avait été posée, si je fumais pas la moquette. Non, rassurez-vous, je ne fume pas la moquette. Non, j'ai un esprit qui est libre, que je plaisante à ma façon. Ça plaît ou ça plaît pas, mais pas du tout. Je suis pas du tout drogué, camé et autres. Ça, pas de problème. Pas besoin de cette saloperie-là pour avoir l'esprit comme le mien. Par contre, Elon Musk ferait bien de faire attention parce que se pointer devant une caméra devant des centaines de millions de personnes, puisque c'est un gars connu, et avec un, comment on dit, un pétard, là, un machin, là, tout fripé, au bec, non, ça la fout mal, là, pour une personne qui est connue, et qui se présente comme ça devant tout le monde, non, là, lui, par contre, il fume la moquette, lui, oui. J'espère que ses idées, elles viennent pas de là, parce qu'ils ont ça craint, hein. Ou alors c'est le contraire, parce qu'il fume la moquette, qu'il a moins d'idées. Si ça se trouve, il ne fumerait pas cette saleté-là. Il aurait les idées plus claires. Et ça irait mieux. Il serait moins blanc, en plus. Parce qu'il est blanc comme un cachet d'aspirine, lui. Hein. Oh, donc, ah, il va chez le médecin. Le médecin, il dit, oh, non, c'est vous, monsieur Elon Musk, monsieur Tesla, bah, non, vous avez mal quelque part. Bah, il va parler en américain. Je ne sais pas, je connais pas l'américain. Il va dire, bah... Non, pas vraiment. Vous avez des problèmes pour manger? Bah, des fois, oui, j'ai les nœuds à l'estomac. C'est l'angoisse. Ah! Bah, si vous voulez, j'ai 50 kilos de plâtre. Ça va vous blinder tout l'estomac. Avec ça, ça va aller. Vous êtes lourd. Ça va être bon pour les idées. Elles vont pas s'envoler. Oui, c'est le même endroit que j'avais filmé dimanche dernier. Vous avez bien reconnu.
c'est un peu plus sec. Semaine après semaine, ils annoncent 34 degrés, 35 degrés, et pas que pour un jour. Voilà, voilà. Les maïs brûlés. Voilà, on n'est pas en hiver, hein, ni en automne. Ici, elle fonctionne. C'est la même énergie et déchets. Bon, je teste pas, c'est pas la peine. Bon, elle doit fonctionner, il n'y a pas de raison, il n'y a personne. Bon. Ah, c'est beau, hein. Bon, maintenant, le papotage, c'est... Il est beau, ton masque. Tu l'as acheté où? Ah bah j'ai acheté la redoute. Oh oui. Et t'as pris quelle taille? Bah taille la mienne, hein, XL. Parce que t'as un gros nez. Oui. Oh bah c'est sens unique. Qu'est-ce que c'est que ce bazar là? On sort par où de là-dedans? Oh. Faut faire tout le tour. Oh là là là. Ah bah oui, il faut faire tout le temps. Aïe, aïe. Et oui, et ça va où là? Par contre, j'ai jamais été ici. Oh, c'est pas vilain, hein. Oh, c'est un château. Wow. Eh bah, c'est pas simple leur système, hein. C'est à vendre. Grosse bâtisse comme ça. Oh, un monolithe. Oui. C'est comme 2001, l'Odyssée de l'espace. Ah. Eh bien, je veux dire une bêtise. Ça va meubler un petit peu, je ne fais pas exprès, hein. C'est comme ça. Alors, faut que je poste par où? À droite. Donc, 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est un monolithe, bah, je vous raconte le film, hein, vous ne l'avez jamais vu, qui est découvert sur Saturne, je crois, ou à côté de Jupiter. Enfin, peu importe, à 10 km près, hein, au GPS. Ils envoient une fusée. Avec un équipage, puis un ordinateur, intelligent, pas intelligent, c'est l'ordinateur, hein. Et ils arrivent là-bas, et puis ils découvrent un monolithe, et puis il y a une espèce de... Ça fait une plaque rectangulaire noire. Pour ceux qui n'aiment pas la science-fiction, ça se présente comme ça. Si vous voyez un monolithe sous la route, vous allez prendre 150 000 de QI d'intelligence, normalement. Et... Ou c'est le contraire.
Et donc, il s'approche du monolithe et puis il touche. Et d'un seul coup, vous voyez en effet rétroactif toute la vie des êtres humains depuis le singe. Voilà. Vous voyez un vieux singe tout poilu, pas brossé ni rien, qui tape sur une bestiole, sur un autre singe avec un os. Voilà. C'est un petit peu comme il se produit maintenant. C'est l'évolution humaine. C'est-à-dire que les singes ne sont pas intelligents, mais ils se tapent dessus déjà, sans être intelligents. Que nous, on est soi-disant intelligents et on se tape dessus aussi. Donc on n'est pas plus intelligents que les singes. Ils nous ont rien appris, en fin de compte. Bah, du moins, on n'a pas évolué. Hein. Donc le monolithe, le cosmonaute touche le. Il trouve sur une planète, oui, sur la Lune, je crois. Oh là, c'est compliqué, je ne me rappelle plus trop bien. Ça fait maintenant vieux, hein. Je suis un vieux, c'est vrai. la poussière, ah, le travail, quel désastre. Il se trouve que le singe, il voit le même monolithe, lui, à l'époque. Il touche le monolithe. Et c'est là. C'est Dieu qui lui donne une révélation, une intelligence supplémentaire, un savoir qui nous amène jusqu'à notre époque, maintenant. Voilà. Donc la voiture, depuis 150 ans, le charbon, le pétrole, tout ce qu'il ne fallait pas faire. Ça, c'est l'homme qui l'a sorti de terre. C'est pas Dieu qui nous l'a demandé. Hein. On va dire, on a le savoir, mais on n'a pas l'intelligence. Voilà. Tout est lié. L'intelligence et le savoir, c'est deux choses différentes qu'il faut savoir différencier. Parce qu'il y en a qui ont l'intelligence et le savoir, mais ils ne sont pas nombreux. Et ce n'est pas les plus bavards. Alors ça fait que, bah, du coup, l'être humain, il est retombé à l'état de singe, puisqu'on fait pire ce que le singe avait fait. Lui, le singe, il ne détruisait pas son milieu naturel. Il était bien incapable. Mais l'homme, lui, qui vient du singe, il a appris à détruire. En faisant le mal, quoi, en faisant de mauvaises choses, à détruire son environnement avec le pétrole, le charbon, voilà, l'ère du fossile. C'est-à-dire qu'on a déterré les vieux singes pour en faire de l'énergie. On tourne aux vieux singes. Ben, en fin de compte, on est tous une bande de... Voilà. On utilise les vieux singes pour évoluer. Ben, en fin de compte, c'est pas une évolution, c'est une régression. Si on tourne avec ce qui a été enfoui sous terre depuis des millions et des milliards d'années, c'est une régression, c'est pas une évolution. Alors, j'invente rien. Hein. Non, on n'est pas en Espagne, on n'est pas du côté de l'Espagne du Sud. Non, non, non. Andalousie, pas du tout. On est bien en France et dans le nord de la France, pas dans le Sud. Prenez bien des clichés et des photos de ce qu'il y avait il y a quelques années en arrière, à cette époque-ci. Parce qu'on n'est pas prêt de retrouver la même chose. Au rythme où ça va, vu la folie, ça ne changera pas. Ça aurait changé si vraiment on avait court-circuité tout le système pétrolier. Ah ben, ça n'aurait pas été possible, parce que plus personne n'aurait pu rouler. Mais si, admettons, on coupe la poire en deux, en France, il y a 40 millions de voitures. Ah oui, rien que ça. 40 millions de voitures, on met 20 millions de voitures à l'énergie propre. Électrique principalement. Ah voilà. On renverse la tendance. Il faut rien que ça, hein, 50%. Hein. Vous ne pouvez pas me dire qu'il n'y a pas des millions de personnes qui sont capables de rouler la voiture électrique. Hein. Faut pas exagérer quand même. Voilà les arbres morts. C'est impressionnant, hein. Ils n'ont pas mort de vieillesse, hein, ceux-là. Ils sont tout jeunes. Et c'est les plus jeunes qui meurent. Ceux qui doivent faire du bois, faire les forêts, les bois, sont en train de mourir. Et c'est pas une année exceptionnelle. Ça fait maintenant quelques années, ça va s'accélérer et augmenter. Vous êtes tous au courant, hein. C'est pas le manque d'informations qui manque. Hein.
Alors pourquoi des panneaux solaires ? Bah pour alimenter une batterie par exemple. Voilà, un camping-car comme celui-ci. C'est marrant parce que ça a des petits trous. C'est drôle ça. C'est une grosse caisse avec des petits trous. C'est marrant ça. Alors quand il y a côté des petits trous, c'est pas forcément l'idéal. C'est du poids lourd. Hein. Avec le Conora truc et l'essence unique partout. Une BMW i3. Ah ça. Pas bon. Ah, c'est pas mal comme moto, mais c'est ce qu'il y a dedans qui est pas bon. ...85 personnes autorisées. Bonjour. Voilà, c'est porte ouverte. Alors, normalement, il devrait y avoir peut-être Donc voilà, j'ai l'autorisation. Maintenant, je peux filmer en conservant le masque, évidemment, pour pas qu'on me reconnaisse. Donc, la concession, c'est LC Saint-Dizier. Ah, c'est une grosse concession, elle est connue quand même. Voilà. Bonjour. Je vous filme pas, vous rassurez-vous. Donc on voit les équipements de camping-car, j'y retourne, donc à celui-ci qui m'intéressait, enfin celui qui m'intéressait. Et voir un petit peu, parce qu'on dit un camping-car, il y a un panneau solaire. Il y a un panneau solaire d'environ 120 watts, en moyenne c'est ça. Mais il y avait une étude qui avait été faite pour mettre des panneaux solaires, justement sur la carrosserie extérieure. Et il s'avère que pour l'instant, c'est pas encore éprouvé, c'est pas encore montré. Et on imagine bien qu'un véhicule comme celui-ci, un fourgon c'est moins intéressant, mais une cellule comme celle-ci, couverte de panneaux solaires, permettrait l'alimentation d'une centrale d'énergie. Et pourquoi pas passer sur un hybride rechargeable. Pourquoi pas. Si on passe sur des camping-cars de plus de 3,5 tonnes, poids lourd donc, pourquoi ne pas mettre environ 300 ou 400 ou 500 kg de batterie pour permettre justement au véhicule de rouler sur sa propre énergie. Ça, c'est une étude qui avait été faite par Mark Immer. Il y a bien la voiture électrique couverte de panneaux solaires. Marque allemande. On n'entend plus parler. Marque Sion. Et là, quand on voit la taille des panneaux, c'est impressionnant. Si... Ah ! Elle est tombée dans l'eau. Et si on met un panneau solaire qui fait 120 watts, vous couvrez de panneaux solaires, mais des panneaux solaires comme ils font maintenant, les nouveaux modèles qui sont flexibles, étanches et très légers. Ah, ça n'a rien à voir avec les panneaux solaires qui sont sur le camping-car, mais qui sont sur les côtés du camping-car. Je ne dis pas qu'ils vont être peints, mais simplement collés, posés, pourquoi pas soudés, j'en sais rien, à quel procédé, et permettre justement l'énergie de... Ça sera une solution. Voilà. Parce que ce genre de véhicule qui serait équipé en hybride, parce que ça consomme du 8 litres, 9 litres au 100, on peut mettre des modules électroniques sur les moteurs de camping-car. Ça, je connais le principe, hein. On met un module qui améliore la puissance et qui baisse la consommation. C'est vrai que ça baisse assez fortement la consommation. Et
qui permet d'aller plus loin avec un réservoir qui coûte moins cher en carburant, bien sûr, puisqu'on peut aller plus loin. C'est une possibilité. Ça reste encore du thermique. Il y a la Deep Blue, il y a toutes les normes de maintenant, mais ça rejette une tonne de... enfin, une quantité phénoménale de CO2. Bonjour. Voilà. Si vous ne connaissez pas le camping-car, et ben voilà comment ça se présente, hein, des rangements partout, un lit, ça c'est un fourgon, alors fourgon, qui dit fourgon, qui tape cul, hein, parce que ça c'est raide quand même, c'est sur une base d'utilitaire, hein. C'est amélioré, mais bon, ici quand on passe, il faut faire attention à la tête, sinon ça fait mal. Et c'est du Fiat, principalement du Fiat. Fiat Ducato. Voilà. Celui-ci est beau, hein. C'est bien fini. Voilà, ma chaîne, elle parle de tout, hein, comme toujours. Donc je me prive pas. Je montre tout. Parce que de toute façon, c'est appelé à évoluer aussi dans ce domaine-là, dans la motorisation. Et le jour qu'ils pourront remplacer un moteur thermique par un moteur électrique, vous vous rendez compte, le gain de place dans un camping-car. Si on met un moteur électrique à l'avant, il y a un moteur électrique à l'arrière. Pour doubler la puissance, 4 roues motrices. Parce qu'un camping-car, ça a tendance à patiner de peur dans l'herbe mouillée. Ça s'embourbe très facilement. C'est très lourd. Et une fois que c'est embourbé un camping-car, oh là là, pour le sortir de là, c'est tout un cinéma. Bah oui, hein, ça vaut un certain prix. Mais ça vaut un petit appartement. Hein. C'est chouette. Hein. Voilà. Quand vous êtes là-dedans, mais vous êtes bien. Ah, petite bière, s'il vous plaît. Notin, très connu. C'est du luxe, marque chère, mais c'est vraiment une excellente marque française. C'est traité anti-grêle, anti tout ce qu'on veut. Voilà. Et là, sur les camping-cars comme ça, vous avez des crédits qui peuvent aller jusqu'à 12 ans. Voilà, ce sont des véhicules de loisirs. Donc les crédits ne sont pas les mêmes que sur un véhicule léger, une voiture. Mais je dirais que maintenant, avec les voitures électriques, vu le prix que ça coûte une voiture électrique, il serait intéressant d'avoir des crédits qui durent au moins 12 ans. Pas une location, je ne parle pas de location, je parle d'achat de la véhicule qui vous appartient. Parce que vous pouvez rouler autant que vous voulez. Et pourquoi pas un crédit de 12 ans, justement, pour pouvoir avoir une Tesla, avoir une Peugeot, pour acheter le véhicule que vous allez garder longtemps. Parce que là, on parle de véhicule électrique. Un camping-car, on garde longtemps. C'est pas pour changer tous les 4 matins. Il faut voir un petit peu les taxes qui tombent dessus quand vous l'achetez. Hein. Vous perdez énormément à l'achat. Dès que vous passez la grille, vous avez signé, c'est foutu. Vous avez déjà une bonne somme qui part en l'air. Alors celui-ci, vous rentrez la Zoé à l'intérieur, ici. Et comme c'est mal calculé au niveau de la taille de la Zoé, vous rentrez jusque dans la cuisine. Et vous branchez la Zoé sous la prise de la cuisine. C'est étudié comme ça. N'importe quoi, je sais. Ah, c'est beau comme tout. Là, on pourrait faire un studio là-dedans. Bah non, c'est pas possible, un studio là-dedans, ça tient pas. Voilà. Déjà vendu. Wow. Oh là. Et ce genre de véhicule, bah, si vous vendez votre maison, vous pouvez l'acheter. Voilà. Ça remplace une maison. C'est fait pour ça. C'est-à-dire que vous vivez sous la route. Tout simplement. Vous êtes SDF ? Oui, c'est un peu ça, sans domicile fixe. Il faut mettre une boîte aux lettres sur le côté. Et c'est magnifique. Alors, les permis poids lourds pour les camping-cars, c'est à partir de... Si vous avez votre permis avant 1976 ou 1975, je ne sais plus exactement, vous pouvez demander un permis qu'on appelle poids lourd camping-car, qui va jusqu'à 7,5 tonnes. C'est-à-dire que ce genre de véhicule, vous pouvez le conduire avec un permis
même si vous n'avez pas le poids lourd. Spécifique camping-car. Mais il faut avoir le permis avant 76, il me semble. Voilà. Et ensuite, on passe sur le petit gabarit. €20 000. Voilà. C'est petit. Mais derrière une Tesla Model X, ça, ça passe inaperçu. La caravane, vous la mettez derrière. Vous la voyez pas, la caravane, de toute façon. La Model X, elle est tellement grosse. On est bien là-dedans. Hop là. Oh là, la caravane, elle a tremblé. Hein. Mais on est bien, hein, franchement. Ça, c'est le lit. Hein. Si vous vous allongez, dépliez les... Allez, les abonnés, vous allez vous dire... Oui, oui, il fait n'importe quoi comme vidéo. Non. Chauffage. Chauffage normalement gaz. Réfrigérateur gaz. Vous avez l'eau. Le... D'ailleurs, une Zoé. Non, c'est pas possible. Il n'y a pas de possibilité d'attelage sur une Zoé. Sur les voitures électriques, pour l'instant... À ma connaissance, il n'y a que Tesla qui propose un attelage. Voilà. Il n'y a que cette marque-là. Pour les autres marques, ben, il faut attendre, hein, l'évolution technique, technologique, et puis surtout les normes. Les normes, peut-être, qui sont plus contraignantes, je ne sais pas. C'est une histoire de batterie en dessous la voiture, hein, ça gêne aussi. Ah, ça fait drôle de dormir là-dedans, j'imagine. Parce que ça fait toile de tente, là. Ah, ça fait bizarre, ça. L'hiver, il doit faire froid là-dedans, ouais. Quand c'est ouf. Enfin, je sais pas, c'est de la toile. Ça doit surchauffer, ce machin-là. Ah, oh, il doit y avoir à 50 degrés au niveau de la banquette et puis moins 20 au niveau du toit. Oh. Alors, c'est 2m90. C'est tout petit, c'est marrant, ça. Ça tient derrière une Zoé. Pourquoi pas? Une caravane? Pas de pollution? Bon, ben voilà. Je vais pousser un peu plus loin. Allez. Le parking. Voilà. Donc des fourgons en camping-car, puisque je connais un petit peu quand même, il y a une marque qui est intéressante, sans mettre en avant cette marque-là, mais comme toujours, c'est la marque Adria aussi. Parce que cette marque-là permettait d'avoir enfin fournissait un équipement qu'il n'y avait pas sous d'autres marques. C'était fourni clé en main. Panneaux solaires, il y avait... Plein de... Plein d'équipements qui étaient disponibles. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il en est. Ça fait un moment que je ne me suis pas intéressé à la question. Alors, évidemment, les prix chutent, hein, c'est du fourgon. Mais c'est beau. Marche-pied électrique. Et maintenant, les marche-pieds, je crois qu'ils rentrent tout seuls dès qu'on met le contact. Il y a une position de sécurité. Ici, c'est une cabine de douche, mais elle est fermée. Réfrigérateur, ça doit être fermé sûrement aussi. Oh non. Ah non, c'est un placard. Réfrigérateur, il est au-dessus. Enfin, vous avez tout l'équipement, c'est petit. Il ne faut pas être large d'épaule. Et quand on est deux à l'intérieur, bah... C'est une histoire d'organisation. Si vous faites 150 kg à vide, ça va pas bien. Celui-ci, même gamme de prix. Voilà. C'est inconvénient, c'est que c'est limité en place. Un camping-car, c'est tout ou rien. C'est-à-dire que si vous voulez avoir
disons, possibilité de se garer partout, il faut une petite taille. Mais si vous voulez avoir du confort, il ne faut pas rester sur un fourgon. Mais si vous voulez avoir un fourgon, bon, bah, y a pas 36 façons. Hein. Voilà. Il y a une grosse évolution dans les camping-cars quand même en quelques années. Mais malheureusement, il n'y a pas une évolution dans la technologie électrique. C'est toujours encore à la recherche d'un équilibre. Les caravanes. Là, celui-ci est tout petit. Voilà, ça c'est un bon... C'est un bon compromis entre taille et place pour stationner. Et confort. Merci. Donc vous n'êtes pas sur un fourgon, vous êtes sur un camping-car normal, on va dire. Il n'y a pas besoin de marche-pied. Vous avez une marche ici. Voilà. Et voilà. Là, vous avez la taille d'un fourgon et la place. Là, vous avez la place. Rien à voir avec la Zoé ? Je sais. Et vous avez une table épaisse, mais qui est creuse. Hein, c'est creux. Histoire de poids. Là, vous pouvez accueillir du monde. C'est sur une base Ford. Alors, sur les camping-cars, l'inconvénient, ce sont les boîtes de vitesse manuelles. C'est une aberration en camping-car. Il vaut mieux prendre d'office la boîte automatique, parce que ça apporte un gain de confort qui est énorme. Et le confort, on en a besoin dans le camping-car. Aussi bien à l'arrêt qu'en roulant. Il n'y a rien de plus inconfortable que de se trouver entre deux rapports de boîte de vitesse dans une situation un petit peu délicate. La boîte automatique gère tout ça. Vous avez une cabine de douche ici. Vous allez me dire, elle n'est pas large d'épaule. Mais c'est pareil, c'est une histoire d'organisation. Il faut s'habituer. Vous avez un petit coffre ici qui donne sur la soute arrière, un toilette, un lavabo, un grand réfrigérateur. Bon, vous allez me dire, mais pour deux personnes, c'est suffisant. Le ravitaillement, on ne le fait pas tous les 15 jours. Un espace normalement congélateur, moins 18 degrés, ça c'est moins sûr, faut bien se renseigner. Un support de télévision. Et ici, tout le câblage et rangement et prise, etc. L'antenne et autres. Il y a plein de chaînes YouTube hein, qui en parlent des camping-cars. Ah, j'ai fait un petit encart sur ma chaîne, j'ai parlé de camping-cars. Ah, là, 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 là. Ah oui. Là. Voilà, celui-ci c'est le premium de la marque Challenger. Et tous les accessoires de camping-car, mais vous pouvez retrouver des éléments intéressants. Vous pouvez retrouver des éléments intéressants dans l'équipement électrique. Par exemple, les panneaux solaires. Non, pas les... Un camping-car, on peut rouler au gaz, au GPL. Je veux dire, on ne roule pas au GPL. C'est l'équipement de cuisson, réfrigérateur. Vous pouvez équiper avec une bouteille de GPL à la place des bouteilles de gaz classiques. Vous le faites vous-même. Normalement, on ne peut pas recharger une bouteille de gaz à l'intérieur du camping-car. Il faut qu'il y ait un accès à la bouteille de gaz de remplissage à l'extérieur du camping-car. Et ça, il faut le faire poser, par contre. Mais je pensais aux panneaux solaires. 180 watts, 259 euros. Et cette technologie-là, ça n'a rien à voir avec les technologies des années 70. Avec une batterie auxiliaire. Sans plomb, hein, évidemment. Donc vous avez toute une gamme de puissance. Et les batteries. Ça a un coût. Oui. On ne peut pas dire que, puisqu'on parlait de voitures électriques et de recharge de voitures électriques, est-ce qu'un équipement équivalent pourrait servir sur une voiture électrique ? Ah ! Si on équipe sa maison en panneaux solaires, est-ce que l'énergie serait suffisante pour alimenter, par exemple, 3000 watts de charge en continu ?
pendant 5 heures, 6 heures, voire 10 heures. Est-ce que ce serait possible? Ça coûterait trop cher l'investissement. Ça vous rendrait autonome? Oui. En cas de pénurie d'énergie, vous aurez une autonomie de recharge. Là où plus personne ne pourrait rouler, vous, vous pourriez encore rouler. Alors, dans quelles conditions ce serait ce grand malheur, en quelque sorte? Si un jour il n'y avait plus d'énergie, c'est qu'il y a quelque chose qui n'irait pas dans le monde. On ne peut pas raisonner comme ça non plus. Mais par contre, à la campagne, dans les endroits isolés, est-ce qu'il ne serait pas possible d'avoir justement un équipement autonome pour alimenter sa voiture électrique? Oui. Et ici, dans les accessoiristes camping-car, vous avez toutes sortes d'équipements, des batteries puissantes. Est-ce que ça pourrait être suffisant? Ça se calcule. Moi, je n'ai pas les connaissances. Hein. Par exemple, un convertisseur 2000 watts, 900 euros. Batterie lithium, plus afficheur, etc. Vous avez tout, là. Il faudrait se renseigner. Parce que j'avais fait une vidéo à ce sujet-là. Là aussi, dans des concessions comme celle-ci, on peut trouver des informations intéressantes. Vous avez des glacières. Si vous voulez une glacière, c'est ici, évidemment, vous trouverez tout ce que vous voulez. C'est camping-car. Ça peut aller pour un véhicule classique. Hein. Un véhicule électrique. Électricité pour électricité. Si vous voulez une prise P17, vous avez des prises P17. Ici, dans les concessions, tout à fait équipé dans ce genre de prise, 16 ampères. Et vous avez un système P17 avec la prise classique, comme je dis toujours, la prise de l'aspirateur. Donc ça vous servira pour relier une P17 et recharger votre voiture électrique. C'est une possibilité, mais attention, il faudrait que la prise doit soit sur une prise renforcée. Il ne faut pas une simple prise de courant classique. Il faut une prise renforcée, style Le Grand, Green Up par exemple. Les ampoules à LED pour la voiture, hein, camping-car évidemment, ça c'est plus intéressant pour les camping-cars, pour la consommation d'énergie, mais pourquoi pas pour la voiture électrique, je répète. Convertisseur 201 volts, 12 volts 201 volts, très intéressant aussi. Oui, vous avez des convertisseurs qui vous permettent d'avoir 150 watts par exemple dans la voiture, ça peut être intéressant, on ne sait pas. Bon, les toilettes évidemment que non, mais... Voilà. Là, il y a personne, il y avait un vendeur qui m'accostait pour demander si je voulais avoir des renseignements. Bon, c'est pas nécessaire. Voilà. Voilà, je repars en direction d'une borne de recharge que j'ai sélectionnée depuis Google. Alors, je ne sais pas ce qui m'emmène. Alors pour Google, il faut dire maintenant, emmène-moi à une borne de recharge électrique. Il ne faut pas dire destination. Ah, destination, ça échoue à chaque fois. Il faut dire emmène-moi. C'est drôle, ça. Ça vient de changer. Alors, à la concession, bien sûr, j'étais accosté par le directeur. Enfin, du moins, il n'a plus que demander l'autorisation de filmer, ce qui est normal. Bon, il n'y a pas de secret, hein, c'est pas... C'est pas la concurrence qui vient filmer, mais ils peuvent pas le savoir à l'avance. C'est un encart de vidéo hein, que je fais tout simplement. Alors pour recharger la voiture, je vais dans la Meuse, qui est limite avec la Haute-Marne du côté de Saint-Dizier. Et je suis sûr qu'elle fonctionne et en plus elle est gratuite. Quand si je prends une borne payante, je ne suis pas sûr qu'elle fonctionne. Bon, et en plus, elle sera payante. Oui. Les bornes payantes sont mieux entretenues que les bornes gratuites? Ah bon? Wow. Ça se saurait. Un exemple, bah, les bornes autoroutes, hyper chères, elles sont bien en panne.
on ne vous fait pas payer la fonctionnalité de la borne, hein. On ne vous garantit pas qu'elle fonctionne quand vous allez arriver. Voilà, vous vous préparez avec votre carte bancaire, vous dites chouette, c'est bon, elle est payante, elle va être bien entretenue. Ah non, 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 non. Non, 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 on n'est pas encore dans la dans la pompe à essence, hein. C'est pas une pompe de carburant classique avec une garantie que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas. Non, 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 ça garantit rien du tout. Préparez toujours bien vos trajets en voiture électrique, en peu importe la voiture, hormis Tesla, évidemment, là. Alors si un jour Tesla, la marque Tesla, Elon Musk, le pioche, soumet une idée comme ça, j'avais parlé des avions, vous vous souvenez, et des bateaux, que Tesla envisagerait peut-être même de ça, les avions sûrs, hein. Et pourquoi pas les caravanes, puisque la modèle Y s'est vue tracter une caravane, oui, alors que la modèle Y pour l'instant ce sont des préversions. Et en quelque sorte, en Europe, elle n'est pas vendue en Europe. Ça va être vendu quand l'usine en Allemagne sera finie d'être construite en 2021. Mais imaginez une caravane Tesla, couverte de panneaux solaires, avec un système autonome pour l'eau, pour le chauffage. Complètement autonome, la caravane. Ça serait une révolution aussi. Et pourquoi pas? Eh oui, ça touche tous les domaines. Même le domaine du loisir. Et comme une Tesla peut tracter une caravane, si en plus elle est profilée belle comme tout, comme une Tesla est belle, ah bah alors là, ça serait vraiment bingo, jackpot.